retrouve pour le nouveau vlog. Donc on est toujours jeudi, c'est toujours l'anniversaire avec toi. Là c'est fin de journée, il est 17h33. Et Alexis là, il est en mode râlage. De vrai? Ouais. Il arrête pas, il est chiant, il veut faire du vélo, je veux craquer le carton. Il y a besoin de bouger. Ils en ont jamais assez. Ah. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il a besoin de bouger. Là j'ai mal à la tête, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai dormi qu'à 3h du matin. Là, j'ai mal à la tête et je suis fatiguée, j'ai encore toute la vaisselle parce qu'il y a la vaisselle des gâteaux et tout. Heureusement qu'on a été au French d'ailleurs ce midi parce que vu la vaisselle qu'il y a, c'est horrible. Encore une fois, je vous reprends dans la voiture. Je suis désolée. C'est toujours dans la voiture. Ça va au bout, ça va. Non mais je suis toujours en train de filmer dans la voiture. Tu sais que j'étais en train de calculer pour les meubles à l'entrée ce que je dois changer. De la place en fait et mettre mon stock, tu sais, que je mets à la cave en haut parce que j'ai plus envie de descendre à la cave, j'ai trop peur. Tu sais, remonter, hein, dans sa chambre. Je sais pas, mais depuis hier j'ai vu une grosse araignée à la cave, je veux plus y aller. Lequel qu'il a vu? J'ai été chercher une bouteille d'eau ce matin parce que j'en avais pas et apparemment Christophe il était pas motivé à m'en chercher une, donc je suis descendue, mais vite fait. Là il nous fallait du café, ouais, j'ai envoyé Mathieu, ouais, encore j'ai pris la bouteille, je l'ai tenue comme ça. Donc là on part à la boulangerie parce que ce soir on mange du pain et on part à Tomeco pour du manger pour poisson si on en trouve. Normalement ouais. Tomeco, si même Tomeco Zébite, c'est bizarre. Tout le monde nourrit ses poissons en même temps. Ah, parce que là moi il faut, là ils en ont plus, j'ai donné le reste ce matin. Pain, ouais. En fait je pense qu'il faut y aller tôt. Là à 18h c'est mort, ils en ont plus, toi tu vas toujours en magasin. Le hockey depuis ce matin, depuis ce midi. Et ça recommence. Hey, tu c'est chier. Vraiment la voiture qui nous fatigue, non? Bah ouais, il y a un moi là, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée en fait. Et... Donc dès que je reviens de Tomeco et de la boulangerie, Alexis va vouloir faire du vélo devant. Donc je pense que je vais peut-être un petit peu aller devant avec lui. Moi aussi. Alors... Oh bah vas-y, je peux. Elle allait entendre pendant 10 minutes faire. Ah la honte. Faut te dire ta respiration. Bon, je voudrais deux baguettes. Elle veut dire combien? Bah, combien? Bah, t'imagines?
ouvert, non? Ah ouais, je pense. Peut-être qu'il ferme plus tôt, ça. Hein. C'est même pas si c'est du pain. C'est pas. Oui? Mais tu peux pas, chérie. Pourquoi? Là, elle prend juste le pain. Là, pareil. Après, on va descendre, on va aller voir les animaux, tu vois, les lapins. Lapin. Il y aura les lapins, il y a des poissons. Ah, c'est quand on va couper les griffes à Stella. Bon là, j'ai pas pris Stella parce que de toute façon aujourd'hui, je crois que le jeudi, je sais pas si le jeudi ils le font et puis. Là de toute façon j'ai mal à la tête. Oh, je suis mal. Parce que je dis toujours bon courage. Et là, le mec dit bon courage, il faut. Il est démoralisé. Je sais pas c'est qui, mais je l'ai jamais vu. Ça doit être le pâtissier derrière. Mais bon, normalement, c'est un autre parce que là, il y a deux gros derrière. Deux gros pâtissiers. Et après, il y a deux jeunes petites filles. Peut-être qu'ils travaillent en couple. Hein? Peut-être c'est deux couples. Mais c'est qui, Julia, du coup? Moi aussi c'est quand j'ai chaud. Je pense. Regarde,
je le tourne un petit peu. C'est quand il fait trop chaud, on se sent enfermé. Ouais, t'as vu? Le ciel il est gris là. S'il commence à pleuvoir avant que je rentre, Alex va péter un câble. Il va dire ouais, comme par hasard, je te l'avais dit. C'est un nouveau truc? Non, papa me l'avait déjà fait voir ça. C'est là qu'il m'a dit la dernière fois si tu. Si non, je parle pas de ta cade. Alors? J'ai un truc de sauvage. J'ai papa dans le jardin. Puisqu'on est. J'étais en train de. Annie, elle dit bon anniversaire à Alex. Je dis elle n'oublie pas l'anniversaire à Alex parce que elle, c'est le lendemain. Du coup, je dis ah ouais, puis c'est bientôt la fête des mères. Je sais qu'elle, c'est bientôt la fête des mères. Ma papa me dit bah ouais, c'est dimanche. Que elle, c'est pour ça que je t'ai envoyé. Tu m'as acheté quoi? Et papa, il dit bah c'est pour ça qu'avec Camille, on voulait retourner à. À Buis, je sais pas quoi là. Mmh. On a été. Mmh. Il dit, c'est pour ça qu'on voulait aller là-bas. Il dit pour te trouver une bricole pour la fête des mères. Mmh. Je dis ah ouais, je dis bah je tu sais quoi, je dis perso, je m'en fous hein, parce que même un peu de la neuro, ça me fait plaisir. Hein. Mmh. Ah, vas-y, viens, on va à Action, je vais t'appeler. C'est juste à côté. T'as pas de soucis, vas-y. Tu payes. Bah si je me paye mon cadeau, ça sert à rien. Tu payes. Bon, je vous filme peut-être un petit peu dans ton écho et je vous revois tout à l'heure. Et la fenêtre? C'est tout petit. Oh, regardez la pas, il joue. Père, elle est en train de jouer. Mmh. Ça, c'est le noir là-bas. Et par contre, il faut qu'on se dépêche, ça prend pas 10 minutes. Je vais maintenant. Ça prend un motif. Ouais, c'est beau. Ça, c'est quoi? Des souris, ça. Est-ce que tu. Ouais, des petites souris. Encore de là-bas. Oh, regarde. C'est... Il est beau, moi. Tu peux filmer? Il est magnifique. Oui. Là, ça remarque. Et même les serpents là-bas. Si, là, gars. Là, le caméléon. Ah oui. T'as vu? Le caméléon se fout dans le bouton. Regarde là-bas. Regarde le petit là-bas. Ils sont là. Ah ouais, ils sont là. Regarde là-bas. Ah ouais, il y a un truc qui est. Ouais, il est trop beau, le petit. C'est quoi cette assiette? Il t'appelle Nana. Nana, Nana, Nana. Qui? Ah, je sais pas, nous... Oh, ils sont trop beaux, lui. Ouais, Nana. Non. Allez, gros. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi. Je suis dans la chambre à Mel. On voit les licornes. Donc, je suis désolée, j'ai pas du tout vlogué. Coucou. J'ai pas du tout vlogué depuis hier qu'on a été à Tomeko avec Camille. Donc quand on arrive à Tomeko, il restait plus que 10 minutes avant la fermeture du magasin. Et aujourd'hui mamie est venue. Donc ça va, j'ai trouvé le manger pour poisson. Donc voilà, en fait ce matin ça a été ce matin non, pas grand chose. Après manger, j'ai fait mon ménage tout ça et après j'ai ma belle-mère qui est venue. Ça faisait donc longtemps qu'on ne l'avait pas vue, il est 18h20, elle vient de partir là il y a 10-20 minutes. Donc ça faisait 2 ans et demi qu'on l'avait pas vue. Donc, bon. 3 ans. Non. Oui mais c'était en septembre. Voilà, en septembre ça aurait fait 3 ans. Donc ça fait voilà presque 3 ans qu'on l'avait pas vue. Donc bon Mel elle se demandait un peu quoi en fait au début, parce que forcément elle avait 3 ans et demi. J'ai pas envie. Et stop, commencez pas. Et du coup, donc bon, bah voilà, on a profité. Elle est arrivée à quelle heure, mamie? 15h. Ouais, 15h. Ouais, il était 15h. Non. 15h10, 15h15. Mais parce qu'elle elle s'était perdue. Il était 15h15, j'étais aux toilettes. J'entends la porte, donc ouais, genre 15h20. Donc, parce qu'elle s'était perdue, elle avait pris la mauvaise sortie, puis bah, ça a changé depuis presque 3 ans, donc elle était un peu perdue. Donc elle a mis beaucoup de temps à venir quoi en fait, mais sinon voilà, on a bien profité, on a bien discuté, on a bu du café, on a mangé du fraisier, donc parce que j'avais fait un gros fraisier, donc voilà, il en reste encore d'ailleurs. Donc bah, on est content qu'elle soit venue, voilà. Hein, donc, Et là, elle était montée chercher sa tirelire parce que mamie, elle lui a déjà donné son anniversaire à l'avance. Et du coup, bah, elle va mettre ses sous dans sa tirelire, elle est contente parce qu'elle dit qu'elle va être riche du coup. Donc...
Voilà. Donc bah du coup bah je vous ai, comme je vous ai pas pris du tout, le vlog va être très très court parce que bah je vais vous finir le quand même pour vous le mettre en ligne. Il y a vraiment pas grand chose à regarder sur ce vlog. J'ai filmé juste dans la voiture pour aller à Tomeco et à la boulangerie et un petit peu dans Tomeco. Je vous ai filmé, sinon j'ai rien filmé du tout. Voilà. Et je voudrais peut-être, comme je vous avais dit, je sais plus si je l'avais dit dans un vlog, je crois. Vider mes grosses armoires de l'entrée et replacer, en fait, changer, je pense, les jeux de société de place. Et pour pouvoir mettre le stock, parce que voilà, je ne veux plus trop aller à la cave hein, pour l'instant. J'ai vu l'araignée, moi je ne veux plus y aller. Et du coup, en fait, j'aimerais peut-être mettre mon stock à la place des jeux de société. Donc, il faut que j'organise, en fait, mes placards. Donc, il faut que, ouais, faut que je vois. Elle a voulu te manger ton doigt ? Non. Non ? Il y a Princesse qui est là. Elle est où, Princesse ? Elle est là. Et vous savez que Princesse, à chaque fois que je lui ouvre la cage, je réussis à la fermer. Et voilà qu'Alex me coupe la parole. Là, on voit toutes les peluches. Ah non, non. Elle a tout installé comme ça. Ça fait trop beau. Merci. Toutes ces licornes, les chevaux. Ça fait trop beau. Elle est où, Mel ? Coucou. Voilà. Mel, elle est au milieu de ses peluches. Et Stella qui est toujours là. Stella, elle avait très peur aussi parce que bah, c'est une poussarde. Elle a peur de tout et de tout le monde. Pourtant, avec nous, elle a toujours été bien, quoi, je veux dire. On n'est pas... Mais je sais pas. C'est une... Après, c'est un chien de confinement, hein, comme on dit tout le temps. Quand elle a... Nous, quand on l'a eu, donc on l'avait eu un dimanche et du mardi, c'était le confinement. Donc, en fait, bah, elle voyait... elle a jamais vu personne. Voilà. Donc, le peu qu'elle voit quelqu'un, elle a peur, en fait. Elle a très peur. C'est une froussarde. C'est une froussarde. Elle commence à aboyer maintenant sur les gens dans la rue, mais c'est une froussarde. Je sais pas si on va voir. Papa aussi, c'est voir. Une froussarde. Parce que... Papa. Parce que... Non, froussarde. Elle parce que une fois, quand Toto était venu, ou c'est ma reine, je m'en souviens plus, et ben, il avait peur. Qui? Ben, de Toto ou de ma reine. Ah, c'était là? Non. Elle... De qui? Papa. Ah, de ma reine. Non bah, ce que j'allais dire, c'était là, ouais, c'était là la peur de ta marraine. Non, tonton. De tonton, elle a eu peur. Ouais. Ouais, c'est parce qu'elle le connaît pas. Hein. C'est normal. Bah ouais. Mais moi, elle me connaît presque pas. Je l'ai juste vu quand on a été la chercher. Ah, en fait, elle est habituée avec, avec moi et Mel, Princesse. Princesse, elle voit toujours que toi et moi. Enfin, qu'elle nous voit tous, mais elle est habituée avec toi. Et après, moi, parce que je viens changer sa cage, je lui donne à manger avec toi, je lui donne à boire. Ça veut dire quoi? Donc en fait, elle est habituée avec nous deux. Elle est habituée quoi avec nous? Ah, c'est ton lapin. Ça veut dire que c'est moi qui dois me ramasser ses crottes et tout. T'es sa maman. Bah oui, ça veut dire que je vais ramasser ses crottes. Donc toi, t'es une lapine. Stella, écoute ce qu'elle est, ce que Mel, elle dit. Hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça lui fait des bisous. Donc voilà, donc là, je vais peut-être aller vite fait à Lidl. Non, pas à Lidl. Moi hein. Ouais, non, si, ça doit être ouvert. En vélo. Pour aller chercher une laitue, parce que normalement ce soir c'est quiche maison. Donc ça sera meilleur quand même avec une salade. Donc ouais, je pense que je vais vite fait aller à Lidl chercher une salade. Je vais vous terminer ce vlog là, donc je suis désolée, il va durer dans les 20 minutes. C'était pas très intéressant, mais bon, on peut pas avoir tous les jours des vlogs d'une heure. Surtout que voilà, cet après-midi j'avais ma belle-mère qui était là, donc... j'allais pas filmer, après j'avais fait du ménage. Ce matin, bah Christophe il avait déjà préparé les pommes de terre épicées pour ce midi avec les steaks hachés. Eh doucement. Tu viens d'aller me faire regarde, tomber. Regarde sur la vidéo. On dirait que j'ai un arc-en-ciel au-dessus de ma tête. Regarde. Ouais. J'ai un arc-en-ciel au-dessus de ma tête. Non. Si. C'est ma tante. Non ouais, mais c'est beau, regarde. Ouais. Moi ouais, non. Si, j'ai un arc-en-ciel au-dessus de moi. On t'a vu. Donc voilà, j'espère quand même que ce tout petit vlog aujourd'hui vous aura plu. De toute façon, après ça reste un peu comme le week-end parce que voilà, il y a tout le monde à la maison. Donc je vous ai dit, je filme moins même quand Christophe est avec moi, hein, logique. Malgré que bon, il s'en fout, hein, mais je veux dire, voilà. Et puis, bah, il n'y avait pas grand-chose à vous montrer, donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ça sera encore peut-être un petit... il faudrait que je retrouve quand même d'autres idées vidéo et que j'en retourne
pour peut-être refaire un petit peu comme avant, un jour sur deux. Mais bon, pour l'instant, ça restera quand même les vlogs, parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. On m'a donné quelques idées, mais voilà, il y en a certaines que je peux pas faire comme vidéo, donc je verrai par la suite. Pour l'instant, ça restera encore des vlogs, même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ça dépend les jours. Donc voilà, donc je vous laisse pour ce petit vlog. Merci à tous ceux et celles qui regardent les vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Demain. Non, faut faire en même temps. Mais non. 1, 2, 3. Demain. Demain. Quoi? Demain. Demain. Ouais, c'est la chaîne de blague. 1, 2, 3. Demain. 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 Salut.